Yo tout le monde et bienvenue sur Instant T pour un Investor Gaming en ma compagnie sur Minecraft et plus précisément dans les mystérieuses cités d'or. Je vous prie de m'excuser pour ce bug totalement pourri. Donc, qu'allons-nous faire dans cet épisode? Et bien tout d'abord, nous allons voir notre stuff. Ok, bon, il nous manque un casque, donc on va faire un casque. Qu'allons-nous faire d'autre dans cet épisode à part un casque? Bah, je vous propose qu'on retourne visiter les grottes qu'on avait trouvées dans le dernier épisode. Si on les retrouve, parce que je me rappelle absolument plus où je les avais mises. Je me souviens que j'avais posé des torches. Mais, sans plus quoi en fait. C'est un peu ça le problème. Donc on va essayer de retrouver ça. Et surtout qu'elles avaient l'air pas mal du tout ces grottes là. Donc on va essayer de se dépêcher, de les retrouver. Et voilà. Donc on va se faire des pioches, deux pioches, on va se faire deux épées. Comme ça va être pas mal. Faudrait que je pense aussi à me faire une montre, mais je sais plus comment on fait, donc je ferai ça dans le prochain épisode. Des torches, j'ai de la nourriture, j'ai normalement, oui j'ai. On va essayer de classer un petit peu mieux ça. Bon, la pioche en pierre, on va la garder, on sait jamais quand même. Peut-être qu'on peut en avoir besoin. Potentiellement non, mais on sait jamais. Hein. Vous savez, avec moi, on sait jamais. Donc on va mettre ça là. Voilà. Donc je pense n'avoir rien oublié. Ouais, bon, on va laisser cuire ça. Mon stuff, il est neuf. Quasi neuf. Bon, bah on va y aller directement. On va pas perdre plus de temps. On va juste refermer ça avant. Hop là. Voilà. Bon. C'est parti pour l'aventure. Donc il faudrait déjà que je retrouve les torches. Alors il me semble que c'était par là, si je me souviens bien. Sauf que je me souviens mal. Je vais juste regarder au niveau du son avant. Voir si... Ouais, je vais mettre à 25%. Comme ça va pas faire trop fort au cas où qu'il pleuve ou quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir mis à 25% et que ça n'a rien changé. Si pourtant, bon, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Alors suivons les poulets. Bonjour les poulets, bonjour. Ouais bon allez, soyons un petit peu plus sérieux s'il vous plaît, soyons plus sérieux je vous en prie. Non mais bon, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Enfin comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude de moi, vous me connaissez. Hein. Donc ça c'était pas ici. J'aimerais vraiment retrouver ces grottes là, mais je ne sais plus où j'étais passé. Donc là le désert me dit quelque chose. Je crois qu'on était passé par là. On n'était pas très loin. Hein. Ouais, par contre, si je me perds dans la forêt, c'est pas cool. Surtout que j'ai noté les coordonnées, mais je sais plus où j'ai mis le papier. Normalement, il est dans mon tiroir, mais... Voilà, bon, je raconte un peu ma vie. Hein, mais vous avez, comme je vous ai dit, l'habitude avec moi. Les torches. Alors, où est-ce que sont les torches? En plus, c'est un peu dur à voir, vu qu'il fait jour. Par là, ça me dit quelque chose. Non, ça vous dit rien. En fait, moi non plus, ça me dit rien, mais je suis genre le mec qui se rappelle. Mais bon, je me rappelle pas du tout. Non, sincèrement, je crois que par là, on était passé. Normalement. Alors, si vous voyez quelque chose, vous me le dites, hein, vous me faites signe, parce que moi, pour le moment, je ne vois absolument rien. Je sais qu'il y avait une sorte de ravin par là. Oh, des vaches. Il y avait une sorte de ravin par là. Bonjour. Il y avait une sorte de ravin par là, ça fait trois fois que je le dis. Et dans ce ravin, près de ce ravin, j'avais posé des torches aussi. Donc à mon avis, c'est pas par là, je me rappelle pas de cette espèce de lac qui est beau et moche à la fois. Enfin, étrange plutôt. Beau et étrange. Et là, ça me rappelle quelque chose là. Une petite montagne dans la prairie. Oui, ces petites maisons dans la prairie normalement, mais moi j'innove. Ouais. Ça me dit quelque chose. Quand je dis beaucoup de fois ouais, comme ça, j'ai l'impression d'imiter Julien Lepers. Ouais. Bienvenue dans Question pour un champion et veuillez gagner un dictionnaire si vous trouvez la. Vous allez gagner un dictionnaire si vous trouvez la bonne réponse. Oui, c'était pitoyable comme imitation, surtout que j'ai bugué comme un gros porc, mais c'est pas grave. Bon. Est-ce que vous voyez des torches? Moi, je ne vois rien. Alors, cet épisode est pour le moment très passionnant, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats, beaucoup de scènes épiques, comme ma bite, beaucoup de trucs intéressants. Non mais sérieux, non plus sérieusement là.
Je suis sûr que je me suis perdu moi-même et je retrouverai. Je serai incapable de retrouver la maison là. Donc ce qu'on va faire, on va faire Tarzan et on va aller en hauteur pour essayer de voir. C'est quoi là-bas? Par terre, non, y a rien. Ah, bah attendez, je suis con, il y a un ravin juste ici. Je crois qu'on se rapproche du but. On se rapproche du Saint Graal. Oh, ce Saint Graal! Ouais, bon, j'arrête. Bon. Je sais plus si on était allé là-dedans. Ceci est une bonne question. Ah, le bug de l'eau chelou, là. Ouais. Non, on va pas aller là-dedans, mais on n'est pas loin. C'est bon signe. Très bon signe. Ouais, j'ai juste envie de faire quelque chose. Bref. Donc là, ça, c'était moi qui étais remonté. Donc si j'étais remonté, c'est qu'il n'y avait rien. Et s'il n'y avait rien, c'était pas ici. J'ai une déduction. Des torches. Ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. Ah putain, je sais ce que je voulais te faire. J'ai oublié de faire un saut. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave. J'ai du bois, je préfère une table de craft et un four si je trouve, voilà, du fer. Hop là. Nickel. On va faire ça comme ça. Hop là. On va prendre le fer. On va faire une table de craft. Mais sauf que j'ai pas de charbon pour faire cuire le truc. Bon, c'est pas grave, on va improviser. Oh, c'est beau. Surtout que j'en aurais besoin ici, un seau d'eau. Oui, seau d'eau, seau d'eau. Seau d'eau. Bref. Je suis vraiment pas doué par moment. Quand même. Ah putain. Tiens, il y a notre ami Francis Lalave. J'en ai marre de moi. Donc vous inquiétez pas, je pose des torches. Ah, il y a du charbon ici. Donc nous allons prendre le charbon. Et nous allons nous faire un seau. Comme ça, on pourra avoir un seau d'eau. Ce mot, enfin cette phrase seau d'eau me stresse un petit peu, je vous l'avoue. Je sais pas pourquoi, hein. Je vois vraiment pas pourquoi, mais ça me stresse un petit peu de la dire. Bref. Le four, s'il te plaît, tu viens. Voilà. Donc, nous allons poser ça, mettre ça, et voilà. Poser une petite torche au cas où. Bon. Alors, je sais pas si c'était exactement la grotte qu'on était allé voir. J'ai été con, j'aurais dû revérifier, revoir l'épisode précédent. Oh pardon, j'ai eu un petit rototo qui est venu là. Veuillez m'excuser. Il pleut dehors en plus. Presque j'entends. Je sais pas ce qu'il y a dans ce monde, il pleut tout le temps. C'est un petit peu chiant d'ailleurs. Hop là. Allez, on se fait un saut, on laisse cuire le restant. Hop là. Non, un saut, ça ressemble pas à ça. Voilà. En attendant que ça finisse de cuire, je vais récolter la source d'eau. Parce que oui, moi je récolte de l'eau. Je suis un gars comme ça. Je suis pas comme les autres. Je récolte l'eau. Et je nage dans le blé. Oui, au lieu de récolter le blé et de nager dans l'eau. Si vous aviez pas compris ma blague pourrie. Bref. Hop là. On va faire ça tranquillou. Voilà, est-ce que ça finit de cuire? Toujours pas. C'est un petit peu long, hein. Bon, on va récupérer la table de craft, on va faire des économies de bois comme ça. Oh, tiens. Un zombie. Qui n'a rien à voir avec le bison. Parce que zombie à l'envers, ça fait bison. Oui, je vous apprends des choses tous les jours. Alors, dans mes vidéos, elles sont très 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 instructives. Vous apprenez tous les jours de nouvelles choses. Et on va éteindre la hardeur de Francis Lalave. Voilà. Surtout qu'il n'y a absolument rien ici. Non, bon bah tant pis. Alors je vous avoue que j'aimerais bien trouver du diamant. Comme ça nous aiderait bien pour la suite. Là on retourne un peu plus vers la surface. Est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un ami zombie. Bonjour le zombie. Tu vas mourir. Enfin mourir, non. Est-ce qu'un zombie peut mourir? Ça c'est la question philosophique. Pourquoi on n'a pas fait ça en philo quand j'étais au lycée? Ça franchement, ça nous aurait fait des bons sujets. Hein. Bon, je sais que vous y voyez absolument rien pour le moment, mais il y a un creeper qui m'attaque. Voilà. Hop là. Donc je crois qu'on n'avait pas visité cette partie de grotte. C'était quoi ce bruit? Vous y voyez rien, je sais. Vous inquiétez pas. Voilà. Wow. Une torche, vite, une torche.
Donc il y a du squelette, il y a du zombie. Oh, il y a un petit zombie sur une poule. Mais que fais-tu, mon ami? C'est sur les... Oh putain, elle est trop mignonne la poule. J'ai pas envie de la tuer. Vous avez vu comment elle m'a regardé? Genre, oh, merci de m'avoir libéré de ce zombie qui était sur mon dos. Vas-y, je la laisse en vie. Mais tout de même, un zombie sur une poule, c'est peu commun. Encore, bon, un zombie sur un cheval, ça fait un peu dark et tout, mais un bébé zombie sur une poule. Ouais. Bon, allez, je te laisse en vie. Non, je déconne en fait. Salope. Bref. Oui, je suis violent. Je suis quelqu'un de violent. Bon, je suis violent que dans les jeux vidéo, hein. Vous inquiétez pas. Dans la vie de tous les jours, je suis à peu près calme. Je souligne bien le à peu près. Bon, où est-ce que ça nous emmène là? C'est... Wow, ça descend. Bon, bah, descendons. Il y a de l'or. Alors, je vous propose qu'on commence à récolter... Enfin, à récolter, à miner l'or. Ce qui nous servira pour nos futures cités d'or. Vous l'imaginez, hein, le nom n'est pas anodin. Anodin. J'ai pas de jeu de mots sur anodin, c'est dommage. Bon, on va faire cascade de ouf. Waouh, c'était intense. Voilà, on récolte l'or. Enfin, on mine l'or, putain, mais j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment du mal entre la récolte et le minage. Voilà, on va glisser tout doucement. On va éteindre la lave aussi, on va mettre de la torche. On va éclairer un petit peu partout. Or ça, la redstone, on va la prendre aussi. On va prendre un petit peu au cas où. En plus, ça donne de l'XP, salaud. Qui c'est qui me tire dessus? Bonjour Jean-Claude. Tu vas décéder, s'il te plaît. Merci. Que pour le moment, le fer, on n'en a pas trop besoin. Le lapis azulis. Je vous propose qu'on le récolte pas maintenant. Ça nous bouffe de la place dans notre inventaire. On verra ça plus tard si on en a potentiellement besoin. Pour le moment, nous n'en avons pas potentiellement besoin. Surtout qu'il va falloir faire des économies de place. Parce que quand on va... Oh putain, oh, il est swag lui, hein. Il fait disco un petit peu. En plus, il a un casque enchanté. Il est très soigné. Donc oui, vous disais-je, qu'est-ce que je vous disais? Oui, il faudra faire de la place dans notre inventaire. J'ai cru voir... Oh putain, il pleut des creepers. Il pleut des creepers maintenant dans Minecraft. C'est nouveau ça. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Là, vous auriez eu la webcam, vous seriez foutu de ma gueule. Je vous l'avoue. Enfin bon, bref. Il m'a coupé dans mon élan, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quel enfoiré. Faut jamais m'interrompre comme ça. Putain, mais... C'est la fête aux creepers là ou quoi? Il y a un anniversaire, non? Bon. Oh, ça me plaît. Par ici, ça me plaît. Donc on va éteindre ça. J'ai bien fait de faire un saut. Hein. Voilà. Là, je le sens bien. Ça sent le diamant. Bon, pas que le diamant, je me suis pas lavé aujourd'hui. Mais ça sent quand même le diamant. D'ailleurs, je vais voir la couche. Couche 11. Je crois que bah, c'est à partir de la couche 15 qu'on commence à trouver des trucs. Hein. Si je me trompe pas. Chaque fois, j'oublie. Normalement... Je me trompe pas. J'ai dit. Et pourquoi ça a pas récupéré mon eau, s'il vous plaît? Merci. On va récupérer l'or de maison du café. Voilà. Ah, j'ai vraiment hâte de commencer la construction de ces mystérieuses cités d'or. Vraiment très très hâte, hein, parce que tout ce qui est tout ce qui est construction dans Minecraft, je vais y arriver. Désolé pour le petit bug. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Donc vous disais-je, tout ce qui est construction dans Minecraft, j'adore ça. En même temps, celui qui joue à Minecraft mais qui n'aime pas construire est un petit peu con parce que c'est un petit peu le but dans Minecraft. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Et ouais, j'ai vraiment hâte de commencer. Et puis, à mon avis, ça risque d'être un truc énorme. Surtout que je suis assez perfectionniste. J'aime pas quand les choses sont à moitié faites ou quand il y a un petit truc qui va pas ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, le temple va être juste énorme et j'ai vraiment hâte de commencer. Et d'ailleurs, je vais bientôt commencer à recruter entre guillemets du monde pour intervenir dans mes épisodes pour jouer avec moi. Donc si vous avez un micro potable, bah écoutez, vous ferez le commentaire avec moi. Si vous n'avez pas de micro potable ou que vous ne voulez pas parler en micro tout simplement, et ben vous aurez tout de même le droit de faire la vidéo avec moi, sauf que bah vous parlerez pas tout simplement si vous n'en avez pas envie ou si vous n'avez pas un bon micro, parce que c'est pas que je veuille pas, même si vous avez un micro bidon. Moi, je voudrais bien, mais le problème, c'est que si le micro est vraiment dégueulasse, après, ça va pourrir le son de la vidéo. Et ça va pas être très, très agréable à regarder. Donc, j'espère que vous comprendrez. Donc, voilà, bientôt, je posterai un petit message sur ma page Facebook. Parce que, comme je vous ai dit dans... Bon, tu peux monter, s'il te plaît. Comme je vous ai dit, monte, s'il te plaît. Ne m'énerve pas. Merci. Donc, voilà.
Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 5 de Jazz Jackrabbit, je me suis fait récemment une page Facebook. Donc vous avez juste à liker la page pour suivre mes informations, voir quand mes dernières vidéos sortiront. Quand j'ai un imprévu, que je fais pas de vidéo, je vous préviens. Quand j'ai du retard ou quoi que ce soit, je vous préviens aussi. Enfin bon bref, vous êtes au courant de quoi que ce soit sur ma chaîne et autres, parce que je partagerai des petites photos aussi, des petits trucs comme ça. Et voilà, vous serez au courant d'un petit peu tout concernant les informations de ma chaîne via ma page. Donc je vous mettrai le lien dans la description et peut-être le lien en annotation YouTube si j'y pense. Et il y a un creeper juste derrière moi. Je sais pas ce qui se passe avec le creeper, il pleut du creeper en ce moment. Pourtant c'est pas les giboulées de Mars, hein. Là c'est les giboulées de creeper là. Au lieu que ça soit de la grêle qui tombe, c'est des creepers explosifs. Enfin, en même temps, les creepers c'est explosif de base, mais voilà. Vous m'aurez compris. Donc voilà pour ce qui en est de ma page Facebook. J'ai fait un petit peu la pub de ma page. Enfin non, c'est pas vraiment de la pub parce que je gagne pas d'argent ou quoi que ce soit à avoir une page Facebook. Mais c'est surtout pour vous que je l'ai fait, pour que ça soit plus simple, pour que vous me suiviez via Facebook. Au lieu de m'ajouter en ami ou quoi que ce soit, vous avez juste à liker la page et puis il n'y a pas de souci. Puis vous pouvez réagir en commentaire quand je fais des publications sur ma page, etc. Donc voilà. Bon, revenons-en un petit peu au gameplay. On trouve pas grand-chose pour le moment. J'ai dit que ça sentait le diamant, mais ça sent rien du tout pour le moment. Putain, mais qu'est-ce que vous avez à me tomber sur la tronche aujourd'hui? Sincèrement, c'est quoi le problème? Vous m'expliquez? C'est vachement beau quand même ici. On va essayer d'aller voir par là. Pourquoi? Parce que je le sens bien. Je sais pas. Je vous ai dit que ça sentait le diamant. Il me faut que je trouve un diamant avant la fin de l'épisode. Sinon, bah je vais être triste. Mais par contre là les sources d'eau, on va essayer de caler ça là. Il va falloir que je mange aussi. Voilà, on va manger avant. Voilà. Hop là. Donc les sources d'eau, comment je pourrais faire pour les bloquer? Parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu chiant. Donc voilà. Est-ce que j'ai de la pierre sur moi? Ouais, j'ai de la pierre. Bon, on va faire ça comme ça alors. On va essayer d'entourer ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et comme ça, voilà. Et on va essayer de faire ça comme ça. Mais non. Voilà, bah c'est à peu près bon là. Normalement, l'eau ne coulera plus et ne me saoulera plus. Non, c'est une torche que je voulais poser. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? On va quand même aller voir dans le coin. Qui c'est? Non, en fait, il n'y a absolument rien. Donc on va continuer par là. C'est vraiment beau les canyons comme ça, j'aime beaucoup. J'approuve. J'aime. Bon, là il y a de l'or. Non, franchement, il faut que je trouve du diamant. Il faut. C'est une obligation. Une impérative. Une impérativisation. C'est obligé. C'est impératif. Une impérativité, voilà, je cherchais. Enfin, je crois qu'on dit comme ça. J'ai du mal en ce moment avec le français. Pourtant, j'en ai fait assez dans ma scolarité, mais je sais pas ce que j'ai. Je deviens un analphabète ou bête tout court, je ne sais pas. Ok, nouveau concept, l'eau qui ne coule pas. C'est très étrange. On va essayer d'aller là-bas. J'ai pas envie de me brûler avec la lave. Putain, mais à chaque fois que je dis que je veux pas me brûler avec la lave, je trouve le moyen de me brûler avec de la lave. C'est un con, mais Francis! Francis, la lave m'en veut. Non, bon, faut que j'arrête avec ce jeu de mots, c'est vraiment ridicule. Ça va une fois, mais après, voilà, c'est répétitif. Ah putain, squelette, bonjour. Oh, deux squelettes. Bon, ça, ils se tapent entre eux, ils sont cons. Voilà. Bon, passons, passons. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Peut-être, peut-être pas. Oh, pourquoi il y a des pierres qui m'empêchent de monter à chaque fois? Voilà. Par contre, je vais juste regarder combien de temps j'en suis. Alors, on va pas tarder à arrêter la vidéo. Parce que j'ai calculé par épisode, ça fait à peu près 20 minutes. Là, ça doit faire 18 minutes, 19 minutes qu'on a commencé. Donc, je finis d'explorer ça. Et on va se laisser dans la grotte. On devrait lui donner une grotte. Une grotte, un nom à cette grotte. Donc, moi, je propose la grotte de Lascaux. Non, c'est déjà pris de Lascaux. C'est les peintures rupestres et tout et tout. Non, la grotte. Tiens, attends. On va faire un petit troll au creeper. Allez, viens, viens. Mais non, viens. Mais viens, descends. Allez. Putain, mais il est con.
Non, enfin, il est pas con. Il saute pas dans la lave, je crois. Ah bah si, il m'a fait peur, ce con. Bon bah, il est con, alors. J'ai rien dit, t'es con. Donc, la grotte du Creeper, on va l'appeler. Parce que depuis tout à l'heure, il y a des Creepers qui me tombent sur la tête, là. Donc, on va l'appeler comme ça. Oh, une araignée, bonjour. Bonjour, Spider-Man. De l'or, de l'or, de l'or. C'est cool l'or, mais je voudrais autre chose. Faire un petit peu de place dans mon inventaire. Voilà. Réparer cette pioche, voilà. Voilà. Bon, on va prendre l'or, hein. J'espère que vous y voyez un minimum tout de même. J'aimerais bien trouver un diamant avant d'arrêter, s'il vous plaît. Non, je suis combien là? 25, ouais, bon, bah, on n'est pas près de trouver du diamant. Quoique, ça descend ici. Ouh, ça descend beaucoup même. J'aime bien. Non. S'il te plaît, laisse-moi. Voilà, tombe dans la lave. C'est bien beau, aussi. Ah là là là, je vous jure, ces mobs. C'est quoi ici? Non, y a rien. Je peux pas trop m'aventurer. Ah là là, mais pourquoi? Pourquoi y a pas de diamants? Quand on n'en cherche pas, on en trouve plein. C'est comme les émeraudes. T'en cherches pas, t'en trouves plein. À partir du moment où tu cherches du diamant ou des émeraudes, bah là, tu trouves rien. C'est vraiment rageant. Je rage. Non, y a rien, hein. Je vais revérifier la couche. La couche 11, normalement, bon. Pas déconner, hein. Essayer de voir par là. Non, non plus. Bon. Et par là. Hop là. On va essayer de poser ça. Ouais, du lapis. J'ai eu un faux espoir. J'ai vu du bleu. Je me suis dit, ah, tiens. Mais non, en fait. Bon, bah, tant pis. On va retourner sur nos pas. Sur nos pas papaoutés. Non, faut que j'arrête. Sincèrement, faut que j'arrête. Promis, je vais essayer de faire des efforts. Je vais essayer de passer par là. Puis essayer de voir s'il y a une autre salle. Et s'il n'y a pas d'autre salle, bah on va se laisser là. Et j'ai presque plus de torches, merde. Mince, mince, mince. Faudrait que je sois plus économe sur les torches. Mais le problème, c'est que si je suis économe, vous ne voyez absolument rien. Donc. Oh, bonjour le creeper, la grotte au creeper. Porte bien son nom, tiens. Mais putain, je suis loin là. Pourquoi t'exploses? Bon bah il y a absolument rien. Je suis triste. Très triste même. Je suis vraiment déçu là pour le coup. C'est pas grave. On va retourner un petit peu sur nos pas et on va bien voir. Oh, oh putain, c'est la foire au squelette ici. Là c'est. Oh là là. Je sais pas ce qui se passe. Il commence à me péter les couilles un peu. Je vous le dis sincèrement, il m'énerve. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Voilà. Meurs, meurs. Je suis en train de spammer ma souris, je suppose que vous entendez. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. J'ai ramassé un arc au passage, c'est cool ça. On va essayer de voir. Oh, j'ai cru voir un truc là-bas. Non, c'est de la cobble en fait. Ouais, je suis revenu sur mes pas. Quoique non, attendez, où suis-je? Ah ouais, je suis revenu sur mes pas. Oh. On va essayer de voir par là et on va se laisser. Oh, ça me plaît. Quoique non, en fait, ça pue. Ça a l'air d'être pourri. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est totalement pourri, nul à chier. Bon, bah tant pis. On va remonter, on va retourner dans le canyon. Je vais juste vérifier la dernière salle là-bas. Et on va se laisser, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut bien se dire au revoir un jour ou un autre. Et oui. C'est la dure loi de YouTube, mais bon. On se retrouve très bientôt et peut-être sur un jeu d'horreur, comme je vous l'ai dit, qui sortira peut-être samedi. Ça fait beaucoup de peut-être. Ça me plaît par là. Ça me plaît. Bon, allez, on va voir. On se laisse après ça. Oh, ça me plaît beaucoup même. Ça me plaît énormément. Ouais, sauf le squelette. Là, ça me plaît un peu moins. Dégage. Tombe dans la lave. Tombe. Voilà. C'est joli par là, c'est très beau, il y a un petit effet de brume. Ah, faut qu'on se laisse, mais j'ai envie d'aller voir, je veux trouver un diamant dans cet épisode. Ne serait-ce qu'un seul diamant, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on va en trouver un là, pour se laisser on va en trouver un. C'est obligé. Je le sens. Non, pas le squelette, vite une torche pour que vous voyez notre épique combat.
Ouais, il y en a deux en fait, je me fais un petit peu. Ah oui, t'es sûr, t'as voulu mettre. Putain, mais il pleut des mobs. Mais c'est quoi là? C'est la fête à Neneu ou quoi? Putain, crève. 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 Merci. Voilà. On va voir là-bas au fond là. S'il vous plaît, faites qu'il y ait un diamant. Couche combien? Couche 14. On va retourner plutôt par là, ça descend des choix. Votre avis, on trouve ou on trouve pas? À mon avis, c'est foutu, c'est mort, on va rien trouver dans cet épisode. Donc on va essayer de se mettre dans un endroit un petit peu safe. On va se faire une safe zone. Comme ça on sera pas attaqué par les mobs. Ce qui risque de nous arriver. Voilà. Toi, tu vas crever, s'il te plaît. Décède. J'ai dit décède. Décède. J'ai dit décède. Merci de décéder. Bon, faut que j'arrive à couper ça un petit peu là. Voilà. Ah, je suis trop curieux, faut que j'aille voir là-bas. Je vais couper la source. Et on va se laisser cette fois-ci. Non, on va vraiment se laisser. Parce que faut pas pousser les bonnes choses trop loin non plus. Ouais, quoique. Non, en fait, y a rien. Ça m'énerve, je veux trouver un diamant avant la fin de cet épisode, mais à mon avis, c'est foutu, c'est râpé, c'est comme la carotte. C'est cuit. Et oui, vous attendiez ce que je dise, carotte râpée, mais non. Carotte cuite. J'ai plus de torches. Bon. À chaque fois, je vous dis qu'on va se laisser, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. J'aime vous parler. J'aime découvrir des grottes et j'aime quand des creepers me pètent à la gueule. Allez, explosez, explosez, creeper, explosez. Non, merde. C'est une torche que je veux mettre, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah, y a rien. Y a rien de chez rien. J'ai vraiment la peau à ça. On va retrouver sur ce beau paysage, là. Voilà. Bon, bah, on va se laisser ici. J'espère que ça vous aura tout de même plu, même s'il n'y a pas de diamant. Je suis vraiment déçu, hein. C'est dommage, hein. On va sécuriser la zone pendant que je vous dis au revoir. Donc, ouais, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie sur Minecraft. Bientôt, bientôt, un jeu d'horreur. Bientôt, bientôt, vous viendrez dans mes vidéos. Bientôt, bientôt, nous serons tout beau. Oui, j'essaie de faire des rimes. Et voilà, nous ferons des épisodes ensemble. Et n'hésitez pas en attendant de liker cet épisode, de le partager, de partager ma chaîne. Et surtout, je vous le répète encore une fois, n'oubliez pas de quoi, n'oubliez pas de quoi, n'oubliez pas de liker ma page Facebook. Voilà, c'est important. Parce que vous le valez bien. Allez, tchuss!